Wow, bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous êtes abonné, c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et actuez la cloche de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous allez très bien, Dieu merci. Ça, c'est une bonne affaire. La santé n'a pas de prix. Pour rien au monde, je serais prêt à vendre mon âme au diable. Même pour beaucoup d'argent. Sérieux? Ah, ça c'est une affaire terrible. Comme vous le voyez, le camp, c'est pas de la base, c'est pas de l'Afrique. Ça, c'est lot of money. Beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les gens veulent trouver le trésor caché. Quoi? Le trésor caché, diable ou quoi? Oui. Comme vous voyez, c'est beaucoup d'argent. Et le trésor caché, du diable, ils existent. En fait, ce sont des pièges, des choses que le diable utilise pour essayer de nous avoir. Et ce genre de choses, on les trouve même sur Internet. Et nous sommes ici pour vous conseiller, pour vous donner de vrais conseils. Mes frères et sœurs, soyez prêts. Nous allons voir des choses terribles ici. Vous risquez d'être peut-être choqués. Mais nous devons monter ces choses pour vous préserver du danger, pour vous prévenir déjà. Et vous devez nous croire. Mon frère, tu dois croire à tout ce que nous allons te dire. Parce que tout ce que nous allons te montrer ici, ce sont des choses qui sont réelles. Si quelqu'un t'appelle, même si c'est ton ami, ton vrai ami, s'il t'appelle et te dit de venir pour que vous touchiez à ça, n'y va pas. N'y va pas. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un piège. Un gros piège. Comme vous le voyez, le corps, c'est pas de la base, pas de la frime. Ça existe vraiment. Il y a des moyens que le diable propose aux gens pour pouvoir se faire de l'argent rapidement. Parmi ces choses-là, nous trouvons les calebasses magiques, même des canaries qui produisent de l'argent. Comme vous voyez ici, c'est beaucoup d'argent. Vous pouvez travailler dur pour avoir votre argent, mais ça, c'est mauvais. C'est un truc mauvais. Ce sont des pratiques occultes que les gens sont en train de faire pour avoir de l'argent comme ça. Et le problème, c'est que ça vient maintenant sur les réseaux sociaux. Sur Internet, on voit ça maintenant, ce n'est plus caché, les gens en parlent. C'est pourquoi nous préférons faire une vidéo pour vous dire que si vous touchez à de telles choses, sachez automatiquement que vous êtes lié au démon. Même si vous vous rendez compte que cette calebasse a produit de l'argent. Cette calebasse que tu dis produit vraiment de l'argent. Et de plus en plus de jeunes personnes, de jeunes gens, sont en train d'utiliser de tels moyens pour se faire de l'argent rapidement. Ça vous connaît au démon. Et les démons, ça ne rigole pas. Ce sont des trucs qui tuent les jeunes gens. Aujourd'hui, les gens n'ont plus longue vie à cause de ce genre de choses. Des trucs que le diable utilise pour les piéger. On vous dit, venez, on va vous apprendre, on va vous montrer comment trouver beaucoup d'argent. Ou encore comment trouver le trésor caché du diable. Ils vont vous montrer des portefeuilles magiques, des calabasses magiques, des valises magiques aussi. Comme vous le voyez à l'écran, ce n'est pas de la place, ce n'est pas de la frime. Ce sont des choses terribles qui existent. Et comme vous pouvez même voir dans cette valise, il y a beaucoup d'argent, des billets bien plats, avec des liasses dessus, bon, avec des cordes dessus. Ce sont des liasses de billets de banque, quoi. Et ça remplit comme ça. Il y a combien de millions ici? Comptons ensemble, nous allons compter. Regardez. 1 million, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 millions. Et ça peut même aller jusqu'à produire plus de 20 millions ou même 20 millions déjà. Quand tu vois ça, tu te dis que mais c'est beaucoup d'argent. Tu te dis que si tu as fait ça une seule fois, c'est fini, tu auras ton argent et tu vas investir dans des activités. Mais il y a un démon à l'intérieur qui est représenté sous forme de ce petit truc qui est là, comme un gêné. Quand tu vas essayer de toucher à ça, tu vas te dire que j'ai trouvé le trésor caché du diable. Mais tu as trouvé le démon. Et le démon, tu ne peux pas le payer avec de l'argent. Lui, il t'offre de l'argent. Beaucoup de billets de banque,
Mais tu ne peux pas le rembourser en lui donnant de l'argent aussi. Lui voudra avoir quelque chose. Quelque chose qui a plus que de l'argent. Et ce sera ton âme ou l'âme des gens. Les gens vont commencer à faire des sacrifices humains pour de l'argent. C'est réel, hein? Regardez même ça. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire que si vous voulez trouver les trésors cachés de ce monde, vous risquez de rencontrer le diable. Si vous voulez vraiment vous enrichir, travaillez dur. Dieu va vous donner son intelligence, vous allez y arriver. À la fin de cette vidéo, nous allons bien vous expliquer. Mais ici, nous vous montrons déjà les pièges, les éléments que le diable utilise pour piéger les gens. Piéger les gens. Regardez, on vous a amené monter les calebasses magiques, des portefeuilles magiques, vous allez voir par la suite. Mais regardez déjà sur beaucoup d'argent. Mon frère et mes frères, ça nous allons vous dire un truc. Beaucoup d'argent, quand on voit ça comme ça, parfois il y a des gens qui sont là et ils disent ah, c'est beaucoup d'argent, il y a un truc bon, c'est quand même beaucoup d'argent, ah, c'est beaucoup, de toute ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent. Si ça c'est pour moi, c'est que c'est bien, si ça c'est pour toi, ce n'est pas bien. L'origine de cet argent, tu ne sais pas. Tu vois beaucoup d'argent ici, les billets de 50 euros, les billets de 5 euros, tu vois beaucoup d'argent comme ça, toi ça te plaît. C'est pas mauvais d'avoir beaucoup d'argent, mais le problème c'est l'origine. Si toi tu travailles dur pour avoir beaucoup d'argent comme ça, c'est bien. Mais nous sommes en train de vous montrer des pièges du diable. Il y a même des livres que les gens fabriquent. Et dans ces livres-là, on vous dit comment trouver le trésor caché du diable. Et vous vous êtes attiré. Vous vous dites que si vous avez trouvé le trésor caché du diable, vous aurez tout ça, tout ça, tout ça, beaucoup d'argent comme ça. Donc vous êtes chaud, vous voulez lire. Or, quand vous lisez ce livre-là, ça vous connaît aux démons et sans le savoir, vous faites des évocations, vous évoquez des démons. Il y a même des gens qui sont morts dans ça. Je vous parle de quelque chose. Il y a même des gens qui sont morts dans ça. C'est pour prévenir les gens du danger de cette affaire que nous sommes en train de faire cette vidéo. Cette vidéo est pour vous. Cette vidéo est pour vous. Si vous pensez que nous sommes en train de faire bien, si vous pensez que nous avons bien fait de vous montrer cette vidéo, cliquez tout sur j'aime et partagez cette vidéo à vos amis. Les gens veulent trouver l'argent, beaucoup, beaucoup d'argent comme ça. Les hommes sont prêts à faire tout et n'importe quoi, la prostitution, vous connaissez. Mais ce que nous sommes en train de vous parler ici, ce n'est pas la prostitution. Ce que nous sommes en train de vous montrer ici, ça, c'est tout sauf la prostitution. C'est de la magie. Ce sont des pratiques occultes que les gens sont en train de faire pour s'enrichir. Dans l'industrie de la musique, on n'en parle pas. Par-ci et par-là, il y en a beaucoup. Même après cette vidéo, sans doute nous ferons nos vidéos où nous allons entendre un homme. Lui, il va dire que pour pouvoir faire de vraies musiques, il est obligé de faire des pactes avec le diable, même perdre ses valeurs morales. Vous serez même surpris. Vous n'imaginez pas ce que les gens sont en train de faire pour ça, lot of money. Lot of money? Beaucoup d'argent, sérieux? Mais de quoi tu parles? Pas de la blague, mes frères et sœurs, notre travail c'est de sauver des âmes, c'est pourquoi Dieu nous a choisis. Ah, il faut que nous vous prévenions de tout ça. Beaucoup d'argent comme ça effraie beaucoup de personnes. Pour ne pas que ça t'effraie quand tu les verras, c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour te montrer beaucoup d'argent, pour que tu puisses voir dans tes yeux ce que ça fait. Regarde, ne tremble pas, ne tremble pas, arrête de trembler, ma soeur, arrête de trembler, mon frère. Ah, c'est beaucoup d'argent, mais arrête de trembler. Il y a un problème ici, le problème, c'est la magie. Derrière cet argent, il y a quelque chose de terrible. Faut-il nécessairement mettre cet argent-là ici? Bon, on va dire l'origine. Cet argent-là vient de quelque part et c'est l'origine qui est là. Vraiment sérieux, ça s'appelle quoi? Portefeuille magique. Et de cette portefeuille magique, les gens peuvent faire sortir beaucoup d'argent pour jouer, beaucoup d'argent. Ils vont vous dire que ça produit beaucoup d'argent par jour et vous devez avoir ça. Et pour pouvoir avoir ça, ils vont vous dire, bon, venez, on va faire les rituels, on va faire les cérémonies, on va aller au cimetière, enterrer quelque chose à côté d'une tombe de l'un de vos parents qui est décédé il y a très longtemps. Et vous aussi, vous allez aller au cimetière sans savoir que vous êtes entré dans. Vous êtes en train d'entrer dans le monde du diable. Pour en sortir, c'est là le problème. Entrer, c'est facile, mais sortir, c'est difficile. Ce sera un labyrinthe. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut vous aider. Seul le Seigneur Jésus-Christ pourra vous aider. Lui seul peut le faire. Ah, le Seigneur Jésus-Christ, Jacob. Les gens sont en train de choisir le mauvais camp et surtout de les pièges et ils courent maintenant vers toi. Oh, Dieu nous prévient chaque jour.
Cette vidéo vient pour prévenir les gens. Même alors, je suis en train de vous parler, de ça. Hein. Il y a même des gens qui font des vidéos sur Internet qui vous disent, venez, 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 venez. Nous, on sait comment faire pour vous donner beaucoup d'argent. Nous, on sait comment faire pour vous aider à trouver le trésor caché du diable. Oui, le trésor caché, la richesse de ce monde. On vous appelle, les gens même laissent leur numéro. Ils laissent même leur WhatsApp. Et beaucoup de personnes sont en train d'appeler. Sans savoir que vous vous êtes en train d'entrer dans la prison. Dans la prison. Aïe. Les gens sont en train d'entrer dans la prison du démon. Le démon est là, regardez. Il y a un truc qui t'a lié au démon. Et cette chose-là, c'est ce que tu vois à l'écran. Débarrasse-toi de cela avant qu'il ne soit trop tard. Débarrasse-toi de cela avant qu'il ne soit trop tard. Il y a certains magiciens qui disent que pour pouvoir se débarrasser de telles choses, il faut remettre cette chose à l'origine. Sinon, vous ne pouvez plus vous en défaire. C'est là que nous allons chercher les vrais hommes de Dieu pour prier, pour que ça puisse tomber, le pacte puisse tomber. Sinon, ça ne peut pas être possible. Il y a certaines personnes pour se débarrasser de telles choses, de tels portefeuilles magiques ou des griffes du démon. Les gens ont décidé de jeter les griffes là dans l'eau, ou bien dans ou quoi que ce soit, même les brûler. Tu vas jeter le tout comme ça. Tu vas te dire que tu l'as jeté, c'est fini. Mais tu vas retourner à la maison, tu vas voir une personne qui va apparaître devant toi, ça peut être même une femme. Elle va apparaître devant toi, boum. Ah mon ami, pourquoi tu as jeté cette chose-là ici? Tiens, ta chauffe-eau, prends. C'est ta chauffe-eau, prends, tiens. Pourquoi tu l'as jeté? Si tu veux te débarrasser de ça, va remettre la chose là où tu l'as pris. C'est là, ça va être chaud. Tu ne peux plus retenir chez le fétichier pour lui dire « Ah, fétichier, tu m'as donné un truc, c'est le mauvais. Maintenant, il me rend compte que c'est le mauvais truc. Ah, tu veux m'en débarrasser ?» Là, les gens seront piégés. C'est là que tu dois avoir le nom de Jésus-Christ dans ta bouche. Tu dis seulement « Jésus-Christ, je vais m'aider, Jésus-Christ, je vais m'aider, Jésus-Christ, je vais m'aider. » Et tu pries que tu t'aides à tomber sur un vrai homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y en a tellement de faux. Il y en a de faux, hein. C'est là le salut va être personnel aujourd'hui. Il faut chercher Dieu de tout son cœur. Il ne faut pas entrer dans les trucs pour vous mettre dans les problèmes et tu ne sauras même pas comment faire pour en sortir. Je te parle de quelque chose. Il faut même prévenir que guérir. Parce que c'est une des choses, quand vous entrez dans ça, pour pouvoir sortir, c'est dur. Parce que le démon ne veut plus vous laisser. Il ne voudra plus vous laisser. Parce que votre âme vaut plus cher que toutes les richesses de ce monde. Toutes les richesses de ce monde ne peuvent pas payer votre âme. C'est pas de la bague, c'est pas de la frime. Et regardez même, il y a un pentacle ici, regardez même. Il y a un pentacle, les gens appellent ça comme là même. Un pentacle. Les gens utilisent pour faire les rituels. C'est-à-dire que ça, ce sont des parties qui vont donner cet argent, quoi. Regardez. Portefeuille magique. Calebasse magique. C'est la même chose. Et les gens font de ces rituels. Regardez. Les gens vont faire des cercles. Et positionner pour tout ça dans le cercle. Ils vont mettre du sel autour du cercle, allumer des bougies aux extrémités du cercle. Ils vont commencer à parler sur le portefeuille. Et quand les gens parlent, ils y croient. Hein? C'est comme s'ils sont en train de prophétiser. Après tout ça, le démon va commencer à les servir de l'argent. Mais eux, il va falloir qu'ils récompensent les démons-là pour le travail qu'ils ont fait. Ça, c'est l'argent des démons. Regardez même ça. Les gens sont impressionnés quand ils voient de telles choses. Ils sont impressionnés. Il y a des gens qui sont tout là. Ils sont là. Ah, je suis bon. Je suis bon. J'ai beaucoup d'argent. L'argent que tu veux avoir là. L'argent que tu es en train de chercher là. À un moment donné, l'argent va te poursuivre. Hein. Ça va se transformer en un serpent pour te poursuivre dans la maison. Toi, tu vas dire, mais ah, dans quoi ils sont entrés ou dans quoi ils sont entrés. Les gens sont en train d'entrer dans les trucs bizarres. Regardez ça. Et ça produit beaucoup d'argent. Ça, ce sont les éléments que le diable utilise pour pouvoir bloquer les gens. Le diable, c'est un mauvais gars. Hein. Et il a tout ça. Regardez les éléments qui se trouvent sur votre camp. Numéro 1 est ici. Numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Et les gens vous montrent le processus. Et les gens vous montrent que ça produit vraiment. Effectivement, le diable a des pouvoirs pour vous donner de l'argent. Sur le diable, même si vous voulez un miracle tout de suite, il peut vous en donner. Mais le problème, c'est que vous allez lui rendre son argent, vous allez payer.
parce qu'on ne prend pas le crédit du diable, pour pas le crédit du diable. Regardez encore ça. Ici, nous sommes ma famille, nous sommes de faire conseil. Si nous vous avons parlé de tout ça, vous avez pensé que c'est de la blague. Il faut que nous vous parlions de ça. C'est vrai. Les gens sont de dire, ah, c'est vrai, hein. On a déjà vu ça sur Internet, des gens qui sont de multiplier de l'argent, même changer du papier en billets de banque. Mais ceux qui changent des papiers en billets de banque, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que ça, c'est de l'argent qui vient des démons, et pour pouvoir bouffer ça, il va falloir qu'on fasse des sacrifices aux démons ou aux génies. C'est pas de la blague. C'est réel. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous disait mais depuis? Le Seigneur Jésus nous disait qu'il est préférable de chercher ce qui est dans le ciel, non? Avant de chercher ce qui est dans la terre, sur la terre. C'est pour éviter tout ce que nous venons de vous montrer, que Dieu nous a dit de rechercher premièrement le royaume des cieux. Si tu cherches le royaume des cieux, si tu cherches à sauver ton âme d'abord, il y a des choses dans lesquelles tu ne vas pas entrer parce que Dieu t'a tellement parlé que à un moment donné, tu as commencé à dire, ah, c'est vrai, hein? On dirait que ce que Dieu dit est vrai, moi je dois croire. Et tous ceux qui disent au cœur et qui ont la parole de Dieu, ah, ces gens ont commencé à sauver leur propre vie. Parce que le démon, quand il arrive, il essaie de vous séduire avec tout cet argent que nous avons montré. Mais quand vous écoutez la parole de Dieu, et que vous croyez vraiment en Dieu, l'amour que vous aurez pour Dieu va vous amener même à ne pas toucher à tout et n'importe quoi. Le diable, sur le diable, à tout et n'importe quelle chose. C'est que un désordre total sur le diable. Mais sur le Seigneur Christ, là, on travaille dur pour avoir son argent. Dieu nous assiste. Il nous apprend à aimer la parole de Dieu. Et lui-même, il envoie du pain pour nous. Il nous donne du pain. Et de l'intelligence aussi. Avec l'intelligence que Dieu va vous donner, vous allez aller petit à petit, monter les escaliers jusqu'à arriver là où vous allez arriver. Mais à chaque niveau des escaliers, vous allez rencontrer des problèmes. On ne vous dit pas que ce sera facile. Hein? Ce sera même dur. Mais les gens qui ont traversé ce chemin où c'était dur, ils ont su apprécier ce que Dieu leur a donné. Là, ils savent comment faire pour ne pas dépenser tout leur argent. Ou comment faire pour ne pas dilapider leur argent dans les maquis et leur boîte de nuit, n'importe comment. Tout ce que nous sommes en train de vous montrer ici, c'est pour vous prévenir du danger. Et vous dire que toutes ces choses existent. Mais il faut s'accrocher à Dieu. Il faut aimer travailler dur pour avoir son argent. C'est vrai, la vie est dure, c'est difficile. Pour chercher à vous en sortir. Mais si vous vous attachez à Dieu et que vous êtes dans la légalité, Dieu va vous soutenir. Dieu va bénir votre entreprise, tous ceux qui y travaillent, et Dieu va vous aider. Et s'il y a quelqu'un qui est à la base de vos problèmes, qui se trouve dans le monde des esprits, Dieu va vous aider à trouver cette personne, à voir cette personne, et Dieu va vous aider à combattre spirituellement parlant les démons qui animent cette personne, afin que vous puissiez juste prospérer. Mais dans la main, nous allons y arriver, mes frères et sœurs. Nous devons être forts et courageux. Mais dans la main, nous allons y arriver. Nous devons être forts et courageux. Très fort et courageux, affronter les problèmes de la vie et y arriver. Nous allons y arriver, je sais, Seigneur. Dieu va nous aider, mes frères et sœurs. Est-ce que vous y croyez? Si vous êtes chaud avec moi, abonnez-vous, mettez-en, partagez cette vidéo, cliquez tout sur j'aime. Tous les mains sur le cœur, cliquez tout sur j'aime, partagez cette vidéo et surtout ne tombez plus dans les pièges du diable comme ça. Ah, c'est même trop facile. Tu es un vrai chrétien. Il faut nous te montrer que tu es un vrai chrétien, un vrai croyant. Et crois en ton Dieu, travaille-tu, contente-toi de ce que tu as, ne cherche pas à avoir tous les trésors du monde, ça ne sert à rien. Le Seigneur peut t'aider, le Seigneur Jésus est avec nous, et nous devons écouter tous ces vrais conseils. Abonnez-vous et partagez cette vidéo comme on vous l'a dit. Nous avons aussi trois chaînes, en cliquant sur ce bon, en dessous de cette vidéo, vous aurez accès à nos pages d'accueil, vous allez voir. Yanks Bon 2, Yanks Bon 3 et Yanks TV. Vous pouvez également vous abonner sur notre chaîne. C'est parti pour la prochaine vidéo. Let's go.